Salut, on se retrouve pour une nouvelle guidance prédiction aujourd'hui avec l'oracle des miroirs. Les énergies ne seront pas interchangeables. Il est possible aussi que les informations ne vous parlent pas. Donc j'en appelle à votre vigilance. Je rappelle aussi que toutes les infos sont dans la présentation de la chaîne, le lien vers Instagram et vers le site de réservation. La carte. Alors ici, on insiste sur une horloge, sur le temps qui s'écoule. Peut-être une situation, j'entends, d'angoisse qui dure depuis un moment. J'entends longtemps. Et là, on insiste, vous voyez, sur l'aspect du réveil pour dire qu'il y a quelque chose là qui va sonner comme un gong. La carte. J'allais vous dire que pour moi, c'était une période de latence, j'entendais de tristesse également. Pour moi, des personnes, j'entends, qui ont passé du temps en retrait. Pour de la guérison, du soin intérieur. Peut-être même, vous voyez, développer tout ce qui est en lien avec la médiumnité, la clairvoyance. Et du coup, je ressens des personnes là qui sont prêtes à s'envoler prochainement. Alors peut-être de manière, peut-être au sens propre, où on prend l'avion ou un bateau. J'ai cette idée de déplacement. Peut-être qu'on va traverser ici l'océan Atlantique. On me montre quand même le Brésil. La carte. Alors, pour moi, ici, il y a quelque chose qui se déverrouille. J'entends au niveau de la parole. Sur l'été. La carte. J'entends dans certains cas qu'on prend la décision de rester. Je ressens qu'on est déjà à l'étranger, j'entends Rio, et c'est comme si on allait prendre la décision de rester, hein. Vivre là-bas. La carte. La troisième et la dernière. Alors ici, peut-être qu'on a des problèmes de santé pour des jeunes femmes. Alors je suis désolée, mais j'entends que c'est en rapport avec une sexualité débridée. Il y a des choses à faire soigner ou faire vérifier. Et on vous dit quand même attention à vos partenaires sexuels. J'entends quand même danger. Alors j'entends Carole. Alors j'ai su ressenti que vous étiez peut-être parti dans l'espoir de faire des rencontres. Et au final, pour moi, il y a une rencontre viable, mais dans le cercle amical. Amical ou proche, par le biais d'amis. Pas nécessairement quelqu'un du pays. La carte. Je ressens aussi qu'on met en place quelque chose au niveau d'une entreprise. J'entends de vêtements. J'entends Carioca. La carte. Je ressens aussi qu'à terme, il y aura des projets de guide touristique. Vous voyez, j'ai ce ressenti que vous pouvez faire des compromis avec des personnes à l'étranger pour servir de référence, si vous voulez, aux personnes que vous accueillez dans le pays. Donc pour moi, il y a deux choses. Il y a l'aspect touristique et l'aspect mode.
La carte. On vous dit quand même d'être prudente, j'entends dans vos paroles. Alors, soit vous êtes à des endroits où il y a beaucoup de monde, ça brasse beaucoup de monde. J'ai un peu cette idée de commérage. Même par rapport à vos projets, ne soyez pas forcément dans le fait de tout dévoiler, surtout si les projets ne sont pas encore mis au point. La personne avec qui vous serez en couple, là, je ressens un Français, hein. J'entends quelqu'un de la même origine que vous, mais qui vient vivre à l'étranger, là où vous êtes. Et il est même possible que vous fassiez un partenariat de business avec cette personne, cet homme-là. Et j'ai cette idée, voyez, de communauté ou de groupe d'amis, d'expatriés. Dans certains cas, on me dit que ça n'est pas ce qu'on avait envisagé. Mais c'est quelque chose qui peut vous apporter de la stabilité. Et un point d'ancrage positif. On vous invite aussi à vous exprimer par rapport à vos émotions. Peut-être par rapport également à des êtres chers que vous avez perdus. Et on vous dit aussi que le contact avec la nature est très important pour vous ici. Et on me dit qu'on a terminé pour cette, j'allais dire mission. On a terminé pour cette transmission, donc merci d'avoir regardé cette vidéo. Et puis on se dit à bientôt.